dansa et n'oublie pas qu'il préfère. Me dit qu'elle veut s'asseoir, qu'elle aime quand je chante, qu'elle adore mes histoires, qu'elle voudrait un enfant et que son père soit une star. Je lui dis gentiment qu'elle devrait acheter des cure-dents, qu'à force d'embrasser le cul, elle a des poils entre les dents, que je n'ai pas assez bu pour engrosser un éléphant, car comme disent... Qui ça? Allez, Omar. Je suis un super connard. Thank you.
qu'elle se mette à rire, dit qu'elle adore l'humour noir, que mes textes sont dignes d'un Jean-Marie Bigard. Puis me parle de sa frangine. Elle kiffe trop une nouvelle star. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bon, ben, j'ai vomi sur le trottoir. Je me suis rassis pour endurer ces pauvres histoires. Tenter de mettre fin à ma vie. Avec un noyau d'olive noir. J'ai fait preuve de philosophie en lui disant, en souriant, comme le ferait mon enfant.